Une Pulse, la grande soirée des entreprises en Pays de Grasse. C'est la 3e édition cette année. C'est un moment qu'on a imaginé et qu'on a voulu avec la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, avec Grasse Entreprise, pour offrir un moment aux entreprises du Pays de Grasse, mais pas seulement, offrir un moment inspirant. Et cette année, quoi de plus inspirant que de parler d'optimisme en ces temps difficiles, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau sécurité, l'actualité est difficile en ce moment et on a bien besoin de parler d'optimisme et à coup sûr la conférence de ce soir de Philippe Gabillet va nous faire du bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir au Cube, au cœur de notre parc d'activité des Bois de Grasse pour cette 3e édition de la soirée Impulse. Une soirée que j'ai souhaité construire pour les entreprises du Pays de Grasse, pour vous. Sachez que c'est toujours une fierté pour moi de venir ici dans ce parc d'activités qui symbolise le développement économique et qui incarne les dynamiques collectives. Je veux remercier Grasse Entreprise, je veux remercier l'association des Bois de Grasse pour l'organisation de ce formidable événement et cette soirée, c'est le fruit d'un travail collaboratif entre nos services de l'Aglo et EBG. EBG est un partenaire fidèle et dynamique qui va fêter ses 10 ans très prochainement, qui va souffler ses 10 bougies et qui participe activement à l'attractivité de notre territoire. Quelle réussite de voir cette énergie autour des entreprises présentes ce soir. La dynamique, c'est le mot qui exprime le plus, qui symbolise le plus notre action et l'action sur le territoire. Vous êtes 200 ce soir. Partenaire économique, partenaire institutionnel, je tiens à saluer ce travail réalisé par mes équipes pour vous offrir ce moment d'exception. Je représente mon fonds d'investissement parce qu'on a le souhait fort d'accompagner les sociétés dans le domaine des arômes et des fragrances, des sociétés grassoises plus particulièrement, pour les aider dans leur développement européen et mondial. C'est une société d'investissement assez particulière dans la mesure où c'est une société d'investissement pan-européenne, vraiment avec des bureaux partout en Europe, avec un esprit très européen. Et on est spécialisé dans le fait d'accompagner les sociétés entrepreneuriales et familiales dans leur développement à l'étranger par croissance externe. Et on a des réseaux partout en Europe et partout dans le monde pour aider les sociétés à se développer de ce point de vue-là. Dans nos thèses d'investissement, si je puis dire, le thème vraiment récurrent, c'est de prendre des sociétés qui sont très fortes à un niveau local pour les emmener à un niveau national, européen et mondial. Et pour nous, Grasse, c'est vraiment au cœur de cette dynamique-là, puisque c'est un réseau assez fabuleux d'entreprises indépendantes, familiales, avec un vrai savoir-faire qui est unique au monde et qui a la capacité de justement faire propager ce savoir-faire avec les bons investissements et les bons partenaires à leur côté. Et nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite proposer. Je suis Laurent Elino, je suis le directeur général de l'entreprise Eau Réduit du groupe Sarpi Veolia. Nous sommes spécialisés pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets industriels spéciaux. Et on opère sur les Alpes-Maritimes principalement et sur le Var, et également sur des déchets monégasques. Nous, naturellement, en fait, en tant qu'entreprise grassoise, une entreprise acteur local, un acteur de proximité, notre clientèle principale est l'industrie des arômes et parfums. Et on a, au fur et à mesure des années, justement, orienté notre activité et proposé des services qui étaient dédiés à ces acteurs locaux. Aujourd'hui, EBG est quelque part une référence sur le fait d'associer des entreprises qui ont des activités assez différentes. Alors, bien sûr, puisque nous sommes à Grasse, il y a toujours un cœur centré sur la parfumerie et les arômes, mais on a beaucoup d'autres acteurs sur la climatisation, sur l'énergie, sur le déchet, et sur, encore une fois, sur de la plomberie, sur... Il y a plein d'entreprises, et c'était l'occasion, en fait, quand on a créé cette association, de tomber un peu les murs, de connaître son voisin, de voir que finalement nous avions les mêmes problématiques, et on a travaillé depuis 10 ans sur ces sujets-là, et on a vu, grâce d'ailleurs à la CAPG et à son président, qu'on pouvait améliorer les conditions de travail et de fonctionnement des entreprises ici au Bois de Grasse. L'optimisme, pour moi, c'est une façon de voir les choses positives et tirer d'une situation difficile une force
et en faire un atout. Voilà. Et quand on est chef d'entreprise, père de famille ou homme citoyen, on a besoin effectivement de voir les choses positivement, on a besoin d'être dans l'action, on a besoin en tant que chef d'entreprise d'être un leader, d'être le capitaine de son bateau et d'entraîner derrière lui l'ensemble de ses ressources humaines en entreprise, de ses collaborateurs, et pour être inspirant, pour être motivant, pour entraîner l'ensemble de ses collaborateurs derrière lui. C'est plus simple quand on est optimiste. L'optimisme, c'est une façon de voir le monde. C'est un état d'esprit qui consiste à voir le meilleur, en fait, à voir, essayer d'anticiper le meilleur dans chaque situation. Pour nous, de ce point de vue-là, c'est un ingrédient qui est absolument essentiel pour tout entrepreneur, tout chef d'entreprise, qui va chercher justement à emmener son entreprise, à emmener ses équipes vers un objectif meilleur. Et en cela, nous, on se considère comme un fonds d'investissement optimiste parce que justement, on est là pour mettre à disposition de l'entrepreneur, mettre à disposition d'une famille, toutes les ressources humaines, parce qu'on est plus de 130 en Europe, vraiment au service des entrepreneurs qu'on accompagne, aux côtés desquels on investit, et aussi, bien sûr, nos ressources financières. Parce qu'on a un fonds de 3,5 milliards qui est uniquement dédié au soutien d'entreprises locales, familiales, qui peuvent bénéficier d'un rayonnement plus international. Il faut, dans ce monde où on nous parle souvent de choses négatives, de voir plutôt le verre à moitié plein, de se projeter aussi sur l'avenir, qu'on va pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, si, à l'échelle d'eau réduite, quand on, les déchets, on les valorise. Hein, 90% de nos déchets, enfin des déchets que nous recevons, sont orientés sur de la valorisation. Ce n'était pas le cas avant. Preuve que c'est on a fait des bons en avant et qu'on peut encore faire mieux et qu'on va encore faire mieux, donc ça prête à l'optimisme. Voilà, positivons nos messages, positivons aussi ce qu'on peut faire demain. Voilà, c'est un peu la démarche de l'optimisme. Projetons-nous vers l'avant. L'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est la capacité de se projeter dans l'avenir avec en regardant toutes les solutions plutôt que les problèmes, en apportant sa part de contribution pour amener quelque chose de positif, se sentir utile à l'autre, s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand que soi et voir un projet général. En tout cas, je vois l'optimisme comme ça et depuis que les Grassois m'ont confié les clés de la municipalité, je me suis dit que l'optimisme, c'était de dire que Grasse était la capitale mondiale des parfums, qu'il fallait retrouver ce positionnement et quels que soient les freins, quelles que soient les difficultés, nous pouvons additionner nos forces pour y arriver. Cette soirée sera, j'en suis sûr, inspirante, conviviale, remplie de surprises, remplie d'échanges, de rencontres et finalement unie autour de ce développement économique tellement important pour le territoire du Pays de Grasse.